ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Serviteur d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, trois caractéristiques, celui qui les possède trouvera grâce à elles la douceur de la foi. Qu'il aime Allah et son messager plus que tout autre qu'entre eux, que quand il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah, et qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il lui répugnerait de se voir jeté dans le feu. Dans une autre version, qu'il lui répugnerait de redevenir chrétien ou juif après qu'Allah l'ait guidé, comme il lui répugnerait d'être jeté dans le feu. Cette douceur de la foi, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en a parlé, et il a dit, celui qui a ces trois caractéristiques, il goûtera grâce à elle à la douceur de la foi. Cette douceur, c'est une douceur qui est plus douce et plus forte que la douceur du miel et du sucre et de toutes les douceurs qu'une personne elle peut chercher ou goûter. C'est une douceur par laquelle la personne trouve le plaisir dans l'adoration d'Allah, dans son obéissance, dans le fait de délaisser ses interdits. C'est une douceur que aucune douceur dans ce bas monde ne peut égaler. Et c'est pour ça que certains parmi les ulama disent dans la parole d'Allah, et celui qui craint de comparaître devant son Seigneur, il aura deux paradis. Un paradis sur terre et un paradis dans l'au-delà. Le paradis sur terre est la douceur qu'il trouve dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette douceur de la foi, cette ouverture de la poitrine pour les bonnes choses, cet amour pour le bien, cet amour pour les gens du bien, cet amour pour les gens qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une douceur que nulle douceur ne peut égaler. Et cela doit être la demande et l'objectif de chaque croyant, de trouver cette douceur dans ce monde pour trouver du plaisir dans l'obéissance d'Allah et pour être récompensé surtout par cet acte, car c'est un acte par lequel on est récompensé. Les actes du cœur, la personne elle est aussi récompensée. Les actes du cœur, ce sont peut-être ceux qui sont les plus grands auprès d'Allah, comme aimer, détester, s'allier, se désavouer. Ce sont des actes du cœur. Ce hadith est un fondement et une base des fondements de l'islam. Et les savants ont donné plusieurs définitions à ce qu'est
halawat al-iman, la douceur de la foi. Et ce qui réunit tout cela, c'est que la personne, elle trouve du plaisir dans l'obéissance d'Allah et qu'il supporte les difficultés pour atteindre l'agrément d'Allah et qu'il aime pour Allah et qu'il déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, dans ce hadith, on voit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aime Allah et son messager. Il n'a pas dit Allah puis son messager. Car l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle tire sa source de l'amour d'Allah. Celui qui aime Allah aimera le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle suit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la personne aime Allah, et plus elle aimera le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car on aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'amour qu'Allah lui porte. Car c'est l'être choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des hommes. Et attention, certains sont tombés dans le fait d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Allah. C'est-à-dire le mettre en associé à Allah. L'aimer autant qu'Allah ou plus qu'Allah. L'invoquer en dehors d'Allah. L'adorer en dehors d'Allah. Lui demander l'aide et le secours en dehors d'Allah. Ce qui les fait sortir de l'islam. Car c'est du shirk akbar, c'est du polythéisme majeur. Donc attention à la différence entre aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour Allah et aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Allah, le faire associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que beaucoup d'ignorants parmi les gens qui s'affilient à l'islam dans le monde entier sont tombés dedans. Et ils font différentes fêtes dans lesquelles ils font du shirk akbar, des paroles de kufr et de shirk, comme la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel ils invoquent parfois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, comme l'Isra ou l'Mi'raj, comme etc. Toutes ces innovations dans lesquelles il y a du shirk dans leurs paroles et dans leurs pratiques qu'ils font dans ces nuits, qui ne sont pas des adorations. C'est pour cela que l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam doit suivre l'amour d'Allah et doit prendre sa source dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour Allah, car il est l'être humain le meilleur des hommes choisi et le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième caractéristique, comme il est venu dans le hadith, trois caractéristiques, celui qui les possède trouvera grâce à elles la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute chose, que quand il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il lui répugne de retourner dans la mécréance comme il lui répugnerait de se voir jeté dans le feu. Quand tu l'aimes une personne, il ne l'aime que pour Allah. Et ça, c'est l'anse la plus solide de la foi. Comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Tabarani, qui est un hadith acceptable, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'anse la plus solide de la foi, c'est l'amour en Allah, aimer en Allah, détester en Allah, s'allier pour Allah et se désavouer pour Allah Azza wa Jal. Donc d'aimer la personne que pour Allah, non pas parce qu'il est de ta tribu, non pas parce qu'il est de ton parti, non pas parce qu'il est de ta jama'a, non pas parce qu'il est de ton quartier, qu'il a la même activité que toi, ni que vous partagiez des passions, tu ne l'aimes que pour Allah. Sincèrement pour Allah, c'est une mahabba, un amour qui est basé sur l'ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, la sincérité. Tu l'as aimé pour le bien et la ta'a, l'obéissance que tu as vue en lui. Tu l'as aimé parce que tu vois en lui des choses qu'Allah aime et non pas pour autre chose. Et que cette mahabba, cet amour, il soit basé sur une nasiha, la loyauté et le bon conseil entre vous. Donc, pour matérialiser et concrétiser cet amour, cette union, il faut d'abord concrétiser la parole du tawhid, du monothéisme pur. La sincérité, vouer un culte pur pour Allah, sincèrement pour Allah. Et s'aimer pour Allah, que ce lien il soit sincère. Et non pas bâti sur des connivences ou sur des choses sur lesquelles on est d'accord parmi les choses de ce bas monde. Mais que ce soit sincèrement pour Allah. Pour l'obéissance que tu vois dans cette personne, quand tu la vois obéir à Allah, tu vois des caractéristiques que Allah aime en lui. Alors tu l'aimes pour Allah. Et ça, c'est le cas de tout croyant. Quand tu le vois une personne, il voit une personne qui montre en apparence la sunnah,
qui montre en apparence le bien, il l'aime pour Allah. Il l'aime pour le bien qu'il fait apparaître. Et il laisse ce qu'il y a dans sa poitrine à Allah. Nous, on juge sur l'apparence. Celui qui nous montre le bien, on l'aime. Celui qui nous montre le mal, on le déteste. À mesure du mal qu'il a. Et on l'aime à mesure du bien qu'il a. Et qui lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il lui répugnerait de se voir jeté dans le feu. Ceci parle d'un cas concret et précis, ce sont les reconvertis qui étaient mécréants et qu'Allah a sauvé du feu. Donc celui-là, il lui répugne de redevenir mécréant comme il était avant. Mais cela parle aussi des musulmans qui sont nés avec ni'mat al-islam, avec le bienfait de l'islam et qui ont grandi en islam. Alors il leur répugne de devenir mécréants après qu'Allah leur ait donné ce bienfait, qui est le meilleur bienfait au monde, le bienfait de l'islam. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a voulu parfaire ses bienfaits, il dit « Yawm akmaltu lakum dinakum ». Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai complété mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. L'islam, l'istislamu lillah. Le fait de se soumettre à Allah par son obéissance et en délaissant ses interdits. Subhanahu wa ta'ala mahabbatan wa ta'zima. Donc, cette troisième catégorie, c'est de se désavouer. Donc on a vu d'aimer Allah et son messager. Puis d'aimer les personnes pour Allah. Et ceci ne peut pas se concrétiser sans se désavouer du kufr et des kuffars. Se désavouer de la mécréance et des mécréants. Et de répugner cette mécréance dans laquelle ils sont, et de la délaisser, de s'en éloigner, et de craindre d'y tomber. Et c'est comme ceci que la personne parfaira sa foi, et goûtera à la douceur de la foi, qui est la meilleure douceur qu'une personne puisse trouver dans ce monde. Fanas'Allah subhanahu wa ta'ala, an yarzuqana jami'an halawat al-iman. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما